quark. Tu vas me le payer. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, le nain? Ce n'est pas fini, Quark. Je jure qu'un jour, je reviendrai pour te détruire et humilier la ville de Métropolis tout entière. Juste un petit conseil, Nefarious. Arrête, tu vas attraper la grosse tête. C'est ainsi que Quark crut se débarrasser de la menace qui pesait sur la galaxie pour de bon. Mais on dirait qu'il manque quelques pages. Merci, professeur. Je vais prendre la suite. Et c'est ainsi que se termine la plus grande histoire de bravoure et d'héroïsme. C'était la véritable histoire du triomphe du capitaine Quark sur l'abominable super méchant connu sous le nom de Dr. Nefarious. Tu veux pas débloquer les costumes secrets de Quark? Bon, avec les cheat codes, essayons. Oh, oh, bas, bas, gauche, droite, rond, carré, carré. Il est en tutu. Métropolis, c'est là que Nefarious va commencer. T'en es sûr? Et comment, ma belle? Il voulait détruire cette ville il y a des années, mais Quark l'en a empêché. Il avait promis qu'il reviendrait un jour pour finir le travail. Alors maintenant qu'il a son arme secrète, il va passer à l'attaque. Mettez le cap sur Métropolis. Pourvu qu'on arrive à temps. Ça a déjà commencé! Le docteur Nefarious doit sûrement être dans les parages! T'es sûr que tout va bien, Clank? Hal devrait peut-être vérifier tes circuits. Comment trouvez-vous mon invention, Clank? Je l'ai appelé Clunk! Votre imbécile d'ami semble beaucoup l'apprécier. Bientôt, la nouvelle série culte s'appellera Agent Secret Clunk. Vous avez entendu ça, Lawrence? Vous avez l'art d'amuser la galerie, monsieur. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Ce jour, vous allez assister à la naissance d'une nouvelle ère. Mes années d'obscurs labeurs et de douloureuses frustrations vont bientôt trouver un dénouement heureux! Je crois que c'est peine perdue. Ratchet va mettre fin à toute cette folie. La seule fin que j'entrevois pour Ratchet, c'est la fin de ses propres jours! Et vous, vous serez en première ligne pour voir ça. Révéler à cette galaxie son nouvel avenir, celui que j'ai choisi pour elle. Pardon,
Vous m'avez parlé, monsieur. Activez le système! Plus vite! Écrivons le nouveau chapitre de cette galaxie! L'âge des robots! Tu es mon ange, robot! Ton amour me fait Lorenz! Oh, mon Dieu, c'était votre audition pour Star Galactic, n'est-ce pas? Oh, mes excuses, monsieur. Je suis confus. Je vous en prie, monsieur. Continuez. C'est le docteur Nefarious et son majordome. Et oh, ils ont Clank. Ils t'ont fait prisonnier. C'est quoi ce Beans? Mais comment j'ai pu être assez stupide pour me faire avoir? Parce que évidemment j'imagine que c'est lui le gentil Clank, hein? Ouais, évidemment que c'est lui. J'ai tellement ri aujourd'hui que j'ai un point de côté. Je dois admettre, Ratchet, que tu es un adversaire considérablement plus valeureux que cet imbécile de Quark. Hélas, j'ai une galaxie à conquérir. Notre petit jeu va donc s'arrêter là. Quel dommage que tu ne vives pas assez longtemps pour voir ta race toute entière exterminée. Vous voyez ce que je veux dire?
Je suis désolé, Ratchet. Tout est ma faute. Oh, te rouille pas pour ça, hein, Clank. C'est de la faute de Nefarious. Et il paiera pour ça, pour Metropolis et pour ce qu'il a fait à Quark et à Skid. On va tout faire pour ça, mon pote. Allez, on quitte cette planète si on veut pas mourir. Ou pire. Voilà quelques heures, bioblitérateurs ont dévasté Metropolis. Ces engins ont ensuite disparu et demeurent encore introuvables. Les citoyens galactiques sont terrorisés, car le docteur Nefarious serait susceptible de reproduire ses attaques dans toute la galaxie. Nous sommes en direct de Marcadia avec le président galactique. Monsieur le président, l'attaque sur Metropolis influera-t-elle sur votre réélection en automne prochain? C'est une bonne question, Darla. Notre enquête démographique indique que les robots constitueront pas moins de 100% de la population galactique d'ici la semaine prochaine. Ce qui est une grande nouvelle pour ma campagne de réélection, car, comme chacun sait, je suis moi-même à moitié robot. J'en crois pas mes yeux. C'est comme si Nefarious avait déjà gagné. Ah bah c'est peut-être le cas, parce que si on trouve pas vite ces bioblitérateurs, on deviendra tous des robots. Même si j'ai rien contre les robots, hein. Une petite seconde, avant que le croiseur galactique n'explose. Quark a dit qu'il cherchait quelque chose. Ouais, c'est pas gagné, mais je crois que ça vaut la peine d'essayer. Le croiseur s'est crashé sur Zeldren. Allons jeter un petit coup d'œil. On y trouvera peut-être ce qu'il cherchait.